Bonjour à toutes mais à tous mes amis passionnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui a longtemps que j'avais plus faite. Elle m'a été taguée par Mimi Estelle Channeling et c'est pour un tac de 40 questions. Donc je vais speeder pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Donc on démarre directement. La première question c'est: que portes-tu aujourd'hui? Alors, j'ai un chemisier imitation zèbre, comme vous pouvez le voir. J'ai un jeans et des baskets. Je ne me lève pas parce que j'ai sur moi mon PC. Sinon, je dois tout charbouler. D'accord? Alors, deuxième question. Quelle taille fais-tu? Je fais actuellement 1,68 m. Alors, quel âge as-tu? Non, pardon, je me trompe. Question 3, combien pèses-tu? Oh, la question, je ne veux pas répondre. Bon, allez. C'est parce que c'est vous, hein? Oh, parce que ça me coûte, hein, de répondre à ça. Eh bien, comme ceux qui me suivent depuis un moment le savent, par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques mois, j'ai malheureusement pris beaucoup de poids. Et j'en suis aujourd'hui à 96 kilos. Alors qu'avant, je vacillais entre 78 et 79, quoi. Donc, on est en train de remédier à ça, mais bon, on perd beaucoup moins vite ces kilos qu'on les a pris, hein, moi, je peux vous le dire. Alors, quel âge as-tu? Eh bien, que croyez-vous que j'ai comme âge? Eh bien, j'ai tout simplement 60 ans. J'ai eu 60 ans ce 23 avril, donc il y a un peu plus d'un mois et demi. As-tu déjà été amoureuse? Ah oh ben oui, eh oui, croyez-moi. Oui, j'ai déjà été amoureuse. Je ne ferai pas de détails, mais oui. As-tu déjà eu une rupture difficile? Ah, c'est clair, oui. Ma dernière rupture date d'il y a 8 ans, après plus de 5 ans de relation. Oui, ça a été très, très difficile. D'ailleurs, j'ai dû faire appel à l'aide d'un professionnel. J'ai dû faire une psychothérapie, ou sinon je m'en serais pas sortie, parce qu'en fait, j'avais eu affaire à un manipulateur narcissique. Alors, septième question. As-tu des tatouages? Non, je n'ai aucun tatouage et je n'ai nullement l'intention d'en faire. As-tu des piercings? Pareil, non, je n'ai pas de piercing et jamais je ne me ferai percer, à part que j'ai bien sûr, j'ai pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui, mais j'ai fait percer mes boucles d'oreilles, mes oreilles. J'avais, je crois, 17 ans, mais en dehors de ça, non, je n'ai pas de piercing. Alors, quel est le plus beau couple selon toi? Bon, c'est un couple qui n'a pas duré dans le temps, mais je trouvais Alain Delon et Mireille d'Arc absolument magnifiques. Malheureusement, ça n'a pas duré. Et paix à ton âme, ma chère Mireille, parce que c'était une actrice formidable. Et à l'heure où je vous fais cette vidéo, je viens de lire sur Internet que Alain Delon est rentré en urgence à l'hôpital pour un AVC. J'espère qu'il va s'en sortir et que s'il s'en sort, il ne gardera pas trop de séquelles. Donc mon couple, le plus beau couple pour moi, c'est Alain Delon et Mireille d'Arc. Ta série préférée? Alors, série préférée, j'aime beaucoup Clem. Oui, j'aime beaucoup Clem. Quelle est ta chanson préférée? Ouh là là, chanson préférée, j'en ai plein, quoi. Oh, laissez-moi réfléchir. Oh, comme ça, je ne sais pas, j'aime plusieurs chansons. J'aime énormément la chanson Alléluia. Ça, j'aime beaucoup. Allez, on va dire celle-là. Quand j'entends cette chanson, j'ai chaque fois des frissons et les larmes qui me montent aux yeux. Donc oui, Alléluia. Quel est ton signe du zodiaque? Je suis un vilain taureau.
qui fonce, qui ne réfléchit pas, qui réfléchit après, quand le mal est fait. Voilà, et je boude et je suis têtue. Par contre, j'ai la créativité, j'ai la spontanéité, je n'ai pas que des défauts, mais je suis un taureau. Quelle qualité recherches-tu chez un partenaire? Alors, l'humour, ça, c'est primordial. Vivre avec un mec qui n'a pas d'humour, c'est pas possible. Donc, l'humour, la loyauté, la franchise. Je n'aime pas les fainéants. Et alors, la fidélité, mais. C'est pas facile, ça, hein, les hommes fidèles. Ensuite, ta citation préférée. Alors, ma citation préférée, c'est vouloir, c'est pouvoir. Ton acteur préféré. Bon, actuellement, c'est Patrick Bruel. Mais j'ai adoré Alain Delon une fois de plus. Hein, ça, Alain Delon, c'est ma référence. Hein. Alors, ta couleur préférée, alors j'ai le violet, j'adore tout ce qui est violet. J'aime beaucoup le turquoise, énormément. Et j'aime aussi le jaune. Alors, si je dois choisir une des trois, je tranche et je dis turquoise. Ma musique forte et musique douce. Alors, musique forte, on va dire tout ce qui était rythmé, musique des années 80. Et musique douce. Musique douce. Patrick Bruel. Voilà. Où vas-tu quand tu es triste? Alors, quand je suis triste, je suis quelqu'un de très solide. Terre, pardon. Et donc, je vais me réfugier dans ma chambre ou dans un endroit où je vais me retrouver seule. Quand je suis triste, il faut me laisser tranquille. J'ai horreur qu'on essaye de me consoler. Donc, voilà, je vais dire dans ma chambre. Combien de temps te faut-il pour prendre ta douche? Oh, un quart d'heure, 20 minutes?